Eh bien salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 6 de Days Gone sur la chaîne Vue188. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, on y va, on redémarre tout de suite la partie. Alors, bah, la dernière, sauvegarde automatique 5 mai, c'est ça, on traîne pas. Voilà, bah, donc la dernière fois on avait fait... Ah oui, on s'était quitté sur une mort un peu brutale. Voulant récupérer notre moto pour remettre de l'essence ou je ne sais plus ce qu'on a voulu faire, et on s'est fait dévorer par une horde de zombies. Voilà, ça fait partie des joies de ce jeu. Bon, en plus, pour rappel, je joue difficile, donc ce qui en plus n'arrange rien à l'affaire, n'est-ce pas? Voilà, ça donne du piquant à la partie. En plus, on consomme beaucoup du coup de soins, on consomme beaucoup de munitions, enfin bref, c'est pas évident. En plus, je suis pas un très bon tireur, du coup, ça n'arrange non plus rien à la pas grand chose à la faire non plus pour être efficace, on va dire. Bon, enfin bon, on s'en sort quand même. Alors, me débarrasser des lignes, ah oui, nettoyer la zone infestée de bûcherons, d'accord. Par contre, alors attendez, parce que je voudrais voir. Non, c'est pas ça, je voudrais voir la carte. On est là, nous. C'est mon frère. Coplan, localisé drafter. Checkpoint, nanana. Connu la tour du cascade à corps. C'est quoi ça? Checkpoint Nero de Horsley. Rétablissez courant. Carburant. Ah oui, je crois ça. Je crois que là, c'est. Ah oui, c'est la voie de chemin de fer, je pense, ici. Ici, on sait pas trop ce qu'il y a. Nettoyer la zone de camp, c'est le bûcheron, nanana. Checkpoint. Et ça, c'est quoi? Site de recherche du mien. Plaque historique. Plaque historique. C'est pas ça. Alors attendez, parce que je suis en train de me perdre là. Ça c'est quoi? Me débarrasser des nids. Nettoyer la zone infestée de camp bûcheron. Infestation. Nid détruit. Ah oui. D'accord, en fait sur la carte on voit finalement les endroits où on doit aller. Cancopland, ah oui, ça c'est le Cancopland. Il manque un petit peu de réputation pour aller faire un tour, acheter des trucs après. Ça c'est quoi? C'est localisé le rafter, c'est dans supplémentaire. Ouais, bon, on va faire ça. Je pense que ça vaut le coup de faire ça. Pose également vérité, une tour sur un des feux de forêt, converti en planque. Voyage rapide impossible, mais t'es trop éloigné. On va aller faire un tour là, je sais pas à quoi ça correspond ça. Planque du mont Oléry. Non, bah non, je l'avais fait ce truc là. Ouais, non, faut que j'aille là en fait. J'ai point de unité médicale mobile. On va débarrasser, d'accord. J'essaie de comprendre, hein, c'est pas évident. Carburant. C'est ça le truc. Bon, on va aller là. Viremin, ça non, Viremin, scénario, c'est mon frère. Ah, il y en a encore un ici en plus. À la recherche de l'eau, elle a roulé avec le projet le cadavre d'Alvarez. Ah, moi qu'on aille là.
Mission secondaire. On va d'abord rejoindre notre moto. Ah, attendez, parce qu'il y a des herbes à cueillir là. Elles vont servir. Ok. Bon, d'autant que ça nous rapproche. Je fasse attention pour récupérer la moto. J'ai entendu Z. Ah si. Merde. D'accord. Excellent. Merde. Ça les foule. Et une autre prime. Ah, c'est pas vrai. La vache. C'est un truc de fou, ça. Tout est bon. Attendez, parce que normalement je dois pouvoir refaire du soin. Non, je peux plus fabriquer de soin. Enfin, je me méfie parce que j'ai plus que 5 soins. Ça vient trop super vite là. Oh là, ça consomme la ferraille à fond quoi. Je vais pas gérer qu'un essence pas loin. Hein. J'avais pas pu le ramener. Ah bah non, c'était dans ma sauvegarde précédente où je suis mort, donc forcément j'ai pas pu ramener le bidon d'essence. Bon. Boost de nitro, vous ne pouvez pas utiliser du boost sans avoir équipé votre moto de nitro. Faites un test d'amélioration chez mécanicien d'encorpement, puis appuyez sur X à moto pour gagner de la vitesse. D'accord. Alors on va sauvegarder. Ah. Je voulais regarder un truc, la carte. Donc du coup, on a dit qu'on allait là. À la recherche, on cherche un hasard de médicaments de Léon. Cherche. On rétablissait le courant. On l'a fait, non? Ça a été fait ou ça n'a pas été fait, ça?
pourquoi ça, ça a été fait. Ouais, on va aller là. Allez, on y va. On va y aller tranquille parce que... Je l'avais entendu. On va peut-être moins de le prendre par surprise, lui. Il m'a vu, il va me voir. Essaye de le prendre à revers. Ça fait de l'XP, mais alors pourquoi je voulais aller par là? Il y avait un cadavre pas looté, je crois. J'ai plus de carreaux. Ah, fait chier. Ah, purée. Faut que je me méfie, j'ai plus que deux soins. Bon, il faut que je... On va sauvegarder. C'est de le prendre par derrière, celui-là.
Il y a du Z dans le coin, c'est évident. Bon, on va essayer de repartir dans notre quête quand même. Je comprends pas, c'est que voilà, ici, vous voyez, on voit plein de cadavres. On prend les récompenses, on prend... La prochaine fois qu'on viendra au camp, ça va nous faire de la monnaie d'échange. Ouais, on sauvegarde. Bon, deux soins, il faut à tout prix qu'on tienne le coup, hein, parce que sinon... un truc de branche pour faire des carreaux, on le fait, on se gêne pas. Wow, ça descend sévère. Une fosse commune. Pourquoi ils ont foutu ça ici déjà? Ah oui, parce qu'ils sont cons. Ah, ah, foyos, cassos. Il faut se tirer de là. Faut se tirer de là. Merde, 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 casse-toi. Non, pas par là, il y a de l'eau. Ah, trop dangereux. Oh là là. Tiens, grand squatter. Ce serait pas les fils de pute qui tentent des embuscades dans le coin. Oh là là, le gros stress là, la horde. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Merde, je vais bientôt être à sec en plus. Ça va, j'ai retrouvé le chemin que je devais prendre. Mais alors, quelle frayeur! Il me reste 13%. J'espère que je les ai semés. La ferraille. Quelle frayeur, ma purée. Faut pas en rencontrer les hordes, c'est vraiment... C'est chaud.
c'est du camp. Est-ce que c'est habité? Non, il n'y a pas l'air. Tant mieux. On va voir si en haut il y a des trucs. Ce serait bien de trouver des munitions, trouver du soin. J'entends du Z, non? Il y a du Z. Par là, il y a du bruit. Faut que je me méfie parce qu'il y a du bruit. Ce camp, faut que je trouve des trucs, hein, sérieux. Y'a rien, y'a rien, c'est la dèche totale. Et tu pourrais par là. Qu'est-ce que c'est du... D'accord. Plus que un soin. C'est la misère totale. Pareil, j'ai que 3 ferrailles, il en faut 5. Le câble, il y a... Est-ce que là-dedans, il y aura des trucs? La ferraille, par exemple. Non, il n'y a rien dans le canon de pompier, là. Ah, je suis incendie. Ouais, bah, je pense qu'on va la prendre, parce que... Ma boîte coûtait, ma batte de baseball coûtait, elle est morte. Ah, c'est dégueulasse! En tout cas, je me remets à peine là de l'histoire de la Horde, là, c'était vraiment flippant. Bon, bah, la moto, on va les laisser là pour l'instant, parce que de toute façon, je peux pas faire grand-chose avec pour l'instant. On va continuer à pied, tant pis. Il y a un zombie. Il y a des ailes partout. Ouf, juste au moment où elle se retourne. Il y en a un autre. Deux autres là-bas. Trois, d'accord. Ah!
zéro soin, d'accord. Je suis dans la merde totale. J'ai plus le droit de me faire toucher. Je me méfie parce que j'ai plus de sauvegarde. Enfin, je veux dire, j'ai plus de soins, j'ai plus rien. D'accord, une maison près des pêches. Ouah, mais purée, c'est infesté. Comment voulez-vous que je passe, quoi? Oui, je sais, je suis au courant. Heureusement qu'on a le couteau. Enfin, on avait dit qu'on continue à pied, alors on y va. Si c'est un camp éliminé, j'ai plus de munitions, j'ai plus rien. Comment vous jouez? À part, je la joue au couteau, quoi. Ce qui va être complexe. Hein. Pouh, c'est infesté, il y a plein de zombies partout. Depuis quelques secondes, c'était juste impossible. Ouais. Sauvegarde, on reste encore deux soins, ok. Alors par contre, il a pas. C'est plus la même quête, je crois qu'il a choisi. Si, c'est la même quête. D'accord. Ah oui, c'est juste on prend un autre chemin. Ça, c'est quoi ça? Chasseur de camp. Ah oui. Plan de fabrication. D'accord. Si on. Ok, je comprends. La récompense, c'est. Il n'y a pas de zombies. Ah, on va peut-être pouvoir aller jusque là-bas. Voir s'il y a des trucs. Allez, avec un peu de chance, il y aura des petites choses intéressantes là-bas. Un petit peu de chance, s'il vous plaît. Ce serait pas de refus. Il fait un temps de merde. Du soin, ça se prend.
Après, encore faudrait-il que je trouve, encore faudrait-il que je trouve une batte de baseball. Enfin bon, c'est toujours ça de prix. Je montre ce que je peux faire avec les... faire avec ces herbes là que j'ai récoltées. On va passer par là. Une zone de nidification. Il faut que je la détruise. Il faut que je détruise la zone des grouilleurs. Enfin, j'ai cru qu'il m'avait vu, mais non. Oh, de quoi faire des carreaux. Génial. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, des carreaux. Fabriqués. 5 carreaux, ça se prend. C'est pas grand chose, mais. Je rêve de trouver une armurerie où je pourrais me blinder de munitions. Parce que là, je suis vraiment à poil. J'ai pas grand chose sur moi. Alors, ici, il y a un petit camp. Est-ce que on trouve pas des choses intéressantes ici? Ok. Voilà, on y est. Du soin. De la merde à côté de la batte de baseball. C'est quoi ça? Ce que c'est. Ça a l'air une espèce de ville ou... Grotto Caves. Récréation Aria. C'est ça, butez-vous les gars. Bon, ça a l'air calme, je vais essayer de détruire une habit. Thank you.
restons pas là. Je pensais que j'allais pouvoir détruire le nid, mais non. Ça n'a pas été concluant cette histoire, il va falloir que je trouve d'autres stratégies. Ils sont assez excités là, ils sont beaucoup. Hein. J'aimerais bien fouiller le coffre de la voiture, mais... T'es loin de l'avoir. Vas-y, éloigne-toi encore un peu. Ah, mais on a un autre qui se balade et qui est dans son champ de vision. C'est juste pas possible. Il faudrait que les deux autres s'éloignent. Et je pourrais prendre l'autre à revers. Voilà. Ah, je crois qu'ils m'ont vu. Cassos. C'est pas je crois, j'en suis sûr qu'ils m'ont vu. D'accord, j'arrive à... D'accord, il m'a remis ma moto comme ça. C'est bien, il s'amusait comme ça avec moi. Ok, bon bah, si on veut. Hein. Prend beaucoup de liberté avec le scénario. Trouver la statue de l'ange. Faire des carreaux, ça se prend à fond. On va essayer de trouver cette statue de l'ange. Des voitures à fouiller. Il y a une alarme sur cette bagnole. Je fasse attention. Il n'y a rien de tel que la ferraille. Réparer la batte. Réparer R2. Ok, super. Ce que je vais faire aussi, c'est...
Et oui, il sait fabriquer des carreaux, c'est ça que je voulais faire. Moi j'ai 10 carreaux, ça c'est bien. Ouais, si j'ouvre le coffre, c'est sûr ça va sonner. Faut pas que j'ouvre le coffre, enfin le capot. Ouais, on continue notre recherche du coup. Trouver l'ange. La statue de l'ange, elle est où la statue de l'ange? Ouais, quelque part par ici. Ah, il y a une porte ici, peut-être qu'on peut ouvrir. Non. Ah, c'est quoi ça? Les bouteilles. Ça se prend pour faire des molotovs, ça s'ouvre pas. On va bien finir par la trouver, cette statue. Du cimetière, on va bien finir par la trouver. Merde, on va quitter la zone de mission. Ah, d'accord, c'est pas par là. Plus par là. Chiffon, ça se prend. Ça va, c'est plutôt calme pour l'instant. On n'a pas vu de zombies, pas d'humains agressifs. Ah bah purée, il y a la blinde de bouteille ici. Attention, il y a un zombie. Ouais, il y a moins de l'assassiner. Ah, c'est dégueulasse. Non, l'ange peut être par là. C'est forcément ça. Ah, c'est ça, on a trouvé l'ange. Où t'as planqué le matos, Léon? Ah non, je peux pas, d'accord, je peux avoir que 10 carreaux maximum sur moi, mais bon, j'ai de la réserve, donc ça c'est bien. Ok, on va jeter un coup d'œil dans le coin. On ramasse. On a quoi? Peut-être dans un de ces trucs. C'est un pied de biche, ça. Ah bah putain, il est costaud, le mec. Maintenant, faut que je vois à qui je vais donner tout ça. Attacher la rase. Pourquoi il y a un hélicoptère? Je ne sais pas. Merde. Boozer! Boozman, tu m'entends? Tu vas pas me croire! Je viens de voir un putain d'hélico, tu m'entends? Un hélico? Mais de quoi tu me causes? Un hélicoptère du Nero! Il m'est passé au-dessus de la tête sans même me calculer! Après tout ce temps, des fédéraux qui débarquent en hélico. Merde! Je vais les rattraper! Et j'essaierai de voir ce qu'ils foutent! Hey Dick! Non! Fais gaffe! Ne bouge pas trop avant d'avoir une bonne idée de ce qu'il fait. Pas de conneries.
Ah bah, pas de conneries, je fais déjà que je me débarrasse. Pas de conneries, ça va. Reste à terre. Qu'est-ce qu'on a là? Faut que je sorte de ce cimetière. Ouais, je peux sortir par là. C'est chaud. Qu'est-ce que je dois faire là? Ah, c'est pour ma moto. D'accord, c'est pour l'autre moto. Je comprends. Je pense. Enfin, je pense que c'est ça. C'est pour l'autre moto, en fait. Qui est là. Non? Première nouvelle. Non, c'est pas ça non plus. Attacher la réserve à la moto. Ah voilà. Suffit l'hélicoptère. Mais c'est où? Oh, attends, attends, ils ralentissent. On dirait qu'ils s'arrêtent. Oh, c'est quoi ce délire? C'est bah, le camp d'où on vient, il y avait plein de Z. Appuyez sur R3 pour activer le mode survie et découvrez les indices et les informations sur votre environnement. Bon, ça, vous savez. Appuyez sur R1 pour activer les jumelles, ça, vous savez aussi. Les cocktails de concentration, vraiment d'autres concentrations sont tout. Alors, c'est quoi cette scène là? Chercheurs et soldats de Nero portent des tenues hermétiques renforcées et sont insensibles à vos attaques. Super! S'ils me voient, je suis foutu. Cerny est brûlé, ça, non?
mes armes, peut-être. Tu m'étonnes. Il faut que je les suive. J'espère qu'on a assez de carburant pour entrer. Si j'en suis finalement, ça jouerait détourner leur attention. C'est là pour survivre les choses. Prends ce qu'il y a à prendre. Hein. S'il faut grimper dans le. Je crois pas qu'il faut grimper dans l'hélicoptère. Il faut essayer de passer en fait. Restez à portée de la chercheuse pour obtenir des informations sur son iron. Vous avez l'air de ça m'autoriser à tirer à vue. Je suis pas venu chercher la merde. Merde. Qu'est-ce qui se passe du coup? Je suis emprisonné, non? Je sais plus ce qui se passe. Je crois qu'on peut être en prison. Ça pourrait détourner leur attention. D'accord, on revient en arrière en fait. Thank you.
devrais être tranquille, il ne devrait pas pouvoir me voir. Note de terrain 2058. Suite à la traque d'un groupe important estimé à 5 ou 600 individus, on a pu confirmer que le site d'hibernation des spécimens était localisé. C'est les docks, je vois le 23 sur le tableau de service pour demain, c'est nous. Non, c'est O'Brien. Ok. Eh ben, où j'en étais. On a pu confirmer que le site d'hibernation des spécimens était localisé dans la grotte du Haut-Désert, désormais désignée site 15. L'herbe et les plantes piétinées à l'entrée, voire photojointes, indiquent que le site est utilisé depuis un certain temps. Ils doivent être comme des coques en pâte là-dedans. D'après les capteurs de mouvement installés par le lieutenant O'Brien, environ 447 individus sont entrés. Ah bah purée, faut écouter un moment. Je recommande l'envoi d'une équipe de suivi après 19h00 pour accéder à l'intérieur de la grotte et évaluer davantage la situation. Note au docteur Anderson. Votre théorie sur la régression. Suivez la sèche numéro pour qu'il n'y ait pas de proximité, mais hors de. Est de plus en plus intéressante. Fin du rapport. Vous en prépare. Vous écoutez ce que je vous dis. Il est encore en vie. Plus de 400 spécimens. Et c'est pas des mutants comme les autres, ceux-là. C'est des stades 3. Qu'est-ce qui arrive? Mais ils dorment comme des bébés. Non. J'ai pensé si vous. C'est pas possible. Je me suis pas proposé. Ces spécimens ne dorment pas, ils hibernent. Vous avez déjà réveillé un ours en hibernation? Non. Vous avez déjà réveillé un mutant en hibernation? Oui, figurez-vous. J'étais l'un des survivants de la mine de White King. La vache. J'en ai vu un mettre mon pote en charpie, comme s'il pelait une banane. Cette nue, elle protège contre tout un tas de trucs. Mais pas contre eux. Nom de Dieu, caporal. Merde, je suis désolé. Cette mission, elle était pourrie depuis le début. C'est pour ça qu'on ne va pas entrer. Vous croyez que si on bouchait la grotte, on... je sais pas... réduirait leur population? Je l'ignore, caporal. Il y a plein de grottes dans le coin. Allez, fichons le camp. Combien de grottes? Même si ça changeait quelque chose. Il y a du mouvement. Ok, on arrive ici. Ah purée, tout ça parce que j'ai rien. Rester civilisé, non? Ah merde, je suis obligé de recommencer. Non, je sais pas. Où est-ce qu'il va me faire recommencer? Tout ça parce que je voulais rien. Bon, ça va, il me fait recommencer là. Sert des buissons en fait, hein. C'est ça le truc. Ok. Bon, ils prennent quand même quelques libertés, parce que à un moment donné, il y a plein de zombies. D'une seconde à l'autre, il n'y en a plus. Enfin, c'est un peu bizarre quand même leur truc. Et là, pareil, la moto qui se trouve téléportée. Bon, enfin bref. C'est un peu bizarre. Montez, montez. Allez, allez, allez. Go. C'est pas grave. C'est pas... Ça enlève un peu le plaisir du jeu, mais bon, c'est pas non plus dramatique. Ils ne dorment pas, d'accord. Plan de fabrication, le monde du Néron.
carreaux à résidus. D'accord. Carreaux à résidus, retourne les ennemis les uns contre les autres, servez-vous-en pour semer le chaos. Boozer, tu me reçois? Boozer, réponds! Nick, salut, je te reçois. Quand on a quitté Farewell, le mec du Nero, le soldat ou je sais pas quoi, celui qui a emmené Sarah. Attends, de quoi tu... Il portait un badge, il y avait quel nom dessus? O'Brien, on parlait que de lui tout le long du chemin jusqu'au Three Finger Jack. Ok, il est vivant, Boozer, il est vivant. C'est pas possible. T'as vu comme moi que le camp tout entier a été rayé de la carte. Oui, je sais, mais j'ai entendu. Ok, écoute, je suis entré dans leur zone d'atterrissage. 2 kilomètres, oh, c'est loin. T'es entré dans leur ZEDA, mais t'es complètement... Hey, écoute-moi, j'ai entendu leur communication radio. Ils parlaient d'un certain O'Brien. Nick, c'est pas ça. Non, Boozer, t'inquiète, je vais juste... Essaie de dormir un peu. Terminé. Putain, 2 km 2, c'est juste très loin, quoi. Ici Radio Libre Oregon. La vérité vous libérera. Quand l'enfer sur Terre a débarqué, ça n'a surpris aucun de ceux qui m'ont écouté quand le monde a commencé à partir en couille. Moi, j'ai eu de la chance. La plupart de ceux qui ont osé défier les fédéraux, ça s'est mal fini pour eux. Les cimetières sont pleins de martyrs. Tous ceux qui ont essayé de dénoncer leurs bobards et leurs manipulations. Je le sais. Parce qu'on a voulu me faire taire aussi. J'ai lancé Radio Libre Oregon quelques semaines avant la chute des... Les mécaniciens peuvent réparer et faire le plein de votre moto contre les crédits les prix mondiaux, alors entraînez votre moto vous-même quand vous le pouvez. Poussez la moto quand votre moto est à l'arrêt, vous pouvez la pousser en arrière ou en avant en utilisant elle. J'ai metté depuis un fourgon banalisé que je déplaçais de ville non, en ville. J'ai plus de... C'était avant que les routes soient obstruées et les ponts détruits. Une dernière tentative d'arrêter les mutants. C'était Mark Copland pour Radio Libre Oregon. Ne gobez pas les mensonges. Non, Cop. Wow! C'est ça, pour toujours. C'est quoi ce délire là? Il y a des humains hein, qui se baladent. Des hommes approchent. C'est un con, ça. C'est pas possible. Chiffo quantité max. C'est un petit con, ouais, c'est un con. On est déjà venu ici, non? Je sais plus. C'est possible. Faut que je trouve de l'essence. Hein. Je suis à 2 km de ma cible, mais j'ai pas d'essence. Et je suis juste perdu dans la nature, quoi. C'est un truc de fou. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 6, parce que ça fait un petit moment qu'on est ensemble. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode numéro 7 de Days Gone, le simulateur de Dari, sur la chaîne 888. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, salut à la prochaine.